Oh, oh, quel bonheur de partager ce grand moment avec vous. Parce que c'est un grand moment, puisque vous êtes là. Et alors, l'illustration pétante de la connivence qui s'établit d'emblée entre vous et moi, c'est que vous ne me dérangez pas du tout. Et pourtant, j'étais en plein en train d'écrire mes mémoires, avant de la perdre. Alors, c'est absolument passionnant, surtout pour moi. J'y relate mes amours. Il y a du boulot. Parce que, je vous garantis que, comment exprimer la chose en termes adéquats, j'ai déroulé du câble. Un gentleman, disait David Niven, un ami personnel, est un monsieur qui, lorsqu'il rencontre une femme entre deux âges, opte pour le moins vraisemblable. Et ça m'arrange, moi. La parenthèse enchantée, j'en étais là. La parenthèse enchantée, une ère miraculeuse. Nous étions après la pilule et avant le sida. La vraie vie, quoi. Avant tous les anathèmes d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'est donné comme des maboules. Il ne saurait y avoir une recette universelle de la fellation. En effet, la fellation, connue depuis des millénaires, prend des tours et formes multiples selon la tradition et l'imagination locale. C'est pourquoi je m'appliquerai à vous donner ici la recette, tout ce qu'il y a de plus classique, mieux connu dans l'imagerie populaire, sous l'appellation de la bonne vieille pipe comme à la maison. Recette sobre, tu vas parachever le coup de pâte de la maîtresse de maison, serviette chaude autour de la Baltique, fromage en Méditerranée. Libre cours à votre créativité. Préparation. Durée variable, de 5 à 20 minutes en moyenne, selon ce que l'on désire obtenir. Cette mise en main, pardon, cette mise en train. Non, justement. Enfin, ces préliminaires peuvent en effet être envisagés comme une entrée en matière agréable. Ce qu'il vous faut, les ingrédients, un individu sain de préférence et un lieu à votre convenance. Nous déconseillons, pour l'avoir essayé, le vélo. Alors, parce que l'amour, l'amitié, c'est surtout rire avec l'autre. C'est partager le rire que de s'aimer. Arrêtez.